gros dodo. Son oreiller, pépère. Hein. Bah oui. C'est son oreiller à lui. J'ai mis Bill dans le peignoir. Il est trop bien là pour dormir. Ma petite gueule d'amour. T'es niché là. Quand t'as le museau abîmé, hein, faut mettre de la crème. Bon, alors aujourd'hui, le programme. J'ai rendez-vous chez le médecin. 18h15 ou 18h30, je sais plus. Ça fait 3 jours que j'ai hyper mal au ventre, je sais pas ce que j'ai. J'ai des douleurs. Je sais pas, ça me fait comme des crampes, tout ça. Je sais pas pourquoi. Je vais en parler ben, justement au médecin. Ça tombe bien que j'y aille. Ah, Bill, la forme. Du coup, j'ai regardé pas mal d'épisodes de séries. Depuis l'année dernière, j'étais pas retournée sur American Horror Story. J'avais arrêté à la saison 5 avec l'hôtel. Et j'ai repris. Alors, j'ai fini la saison 6, 7, 8. Ouais. Et là, j'attaque la saison 9. J'aime toutes les saisons de cette série. J'ai mes préférées, mais franchement, elles sont toutes incroyables. Bref, en plus, on est trop dans le thème avec l'automne, Halloween, machin. Bientôt, là, il y a Hocus Pocus 2 qui sort. Je crois que c'est le 30. 30 septembre, je crois. Et là, ça. Arrête, Billy! La Servante Écarlate, le quatrième épisode, c'est le 28. Et l'autre épisode, c'est le 30, je crois. Je suis pas sûre, mais je crois. Bref, donc comme je vous disais, c'est pas la grande forme avec ce mal de ventre. Bon, certes, j'ai fait des excès. J'ai regardé sur Internet, c'est ce qu'il faut pas faire. Parce que quand on écoute Internet, qu'on a mal quelque part, on a tout de suite un cancer. C'est le truc à pas faire, d'habitude je le fais plus. Et là, je l'ai fait. Bon, apparemment, je vais mourir dans 2 jours hein, si j'écoute Internet. Bref. Faites pas cette connerie, allez voir un médecin. Mais écoutez pas les trucs sur Internet, il y a du bon et du mauvais. Je suis énormément stressée en ce moment, un truc de dingue. C'est peut-être ça aussi. Je fais super beaucoup de mauvais traitements à mon corps. Entre ouais, la mauvaise alimentation et le stress. Donc ouais, mon corps subit. Et l'estomac, c'est quand même un. Enfin, je sais pas si c'est l'estomac exactement que j'ai mal, j'ai l'impression. Je me demande quand même si c'est pas le stress parce que je sais que. Bah, le stress touche beaucoup l'estomac, les intestins. C'est pour ça que des fois, quand moi, par exemple, je fais partie de cette team-là, quand j'ai des gros coups de stress, il y a des personnes qui vomissent. Moi, je vais aux toilettes. Hein. Je me vide. Quand j'ai des grosses périodes de stress, vraiment des gros stress ou des périodes où je suis pas bien, voilà quoi. Donc, je sais que ça joue. Mais sinon, je vais l'avoir pour autre chose de base. Et en même temps, même si c'est ma phobie, les prises de sang. Tout ce qui est médical, c'est ma phobie. Mais alors, la prise de sang, les perfusions, ça c'est. Même dans les films, je tourne la tête. Hein, Ah. Il va falloir quand même qu'elle me fasse une ordonnance pour une prise de sang. On va sûrement me le faire, vu que je vais lui expliquer pour mon ventre. Hier, ma mère était me chercher un colis Vinted. J'ai commandé un truc, mais je vous le mettrai dans le hall. J'ai fait une super bonne affaire. Je suis trop contente. Un truc que je voulais depuis un moment aussi. J'attendais de trouver le bon truc avec la bonne personne à un bon prix. J'ai trouvé, je suis contente. Et voilà le programme du jour. Et demain, je pense que je vais aller ranger chez moi car ce n'est pas fini mon rangement. Ouais, demain, je m'attaque à ma chambre parce qu'il va falloir que je demande à quelqu'un de démonter mon lit. Sinon, je ne pourrais pas commander mon lit, hein, il n'y aura pas la place. D'ailleurs, je me demande comment on va le monter le lit. Bah, celui-là que j'ai, on l'a monté, hein. Mais je me souviens plus c'était comment, parce que ça fait 9 ans passé que j'habite là-haut, donc des souvenirs lointains. Enfin, je vais pouvoir ramener des trucs chez moi demain, parce que là j'ai encore plein de sacs. Je vais pas vous montrer parce qu'il y a le sac d'Halloween. Mais d'ailleurs, je vais retourner bientôt, chercher mon reste de déco. Et j'ai commencé à noter. Bon, j'ai pas mon livre de recettes, mais j'ai commencé à noter vite fait ce que j'ai besoin. Il faut que je trouve du colorant noir pour mes recettes. Je vais peut-être voir à grands frais. Peut-être qu'ils en ont là-haut. Mais de toute façon, vous verrez tout en vlog. J'espère que ça vous plaira, ce vlog spécial Halloween sur 3 jours. J'espère qu'il vous plaira. Parce qu'alors moi, c'est comme vous le savez. Sûrement, vous le savez. Maintenant quand même, ça va faire 2 ans que je suis sur YouTube. Halloween, c'est ma fête préférée. Hein. J'adore Noël.
Même si c'est plus pareil qu'avant, en tout cas chez moi, c'est plus pareil qu'avant. Mais ça reste une très jolie fête. La déco, tout, l'ambiance, ça dépend. Mais Halloween, c'est vraiment ma fête préférée. Et les gens, ils disent, ouais, mais la déco d'Halloween, faut pas la mettre trop tôt, il faut pas l'enlever trop tard. À quel moment? Parce que Noël, je suis désolée. Enfin, on dit Halloween, ça dure une soirée, une journée. Bah, Noël, c'est pareil. Enfin, ça dure une journée, une soirée, Noël. Enfin, peut-être deux soirs, allez, pour le réveillon. Mais on met la déco genre tout le mois de décembre, presque jusque janvier. Et Halloween, par contre, parce que c'est une soirée, on peut pas mettre la déco pendant un mois. Mais je suis pas d'accord, ça a pas de sens en fait ceux qui disent ça. Je suis désolée. Mais pour moi, c'est la vérité. Bah, déco d'Halloween, je vais la faire mi-octobre. Et je vais la garder jusqu'au début novembre. Hein. Ça, c'est clair et net. Donc, pour moi, c'est la même chose. Ça dure une journée comme presque toutes les fêtes. En tout cas, celles qui me viennent dans la tête. Je suppose qu'il y a des fêtes qui durent très longtemps. Peut-être dans d'autres coins du monde. Mais celles qui me viennent en tête, elles durent une journée, une soirée. Donc voilà. Enfin bref, c'était une petite aparté pour vous dire que Halloween, ça va être un petit moment chez moi. Voilà, il m'écoute parler toute seule, il doit se dire, elle est complètement tarée. Bah oui, mon Bill. T'as pas chaud, toi. Ouais, le volet, il est fermé. Mais vous savez pourquoi le volet, il est fermé? C'est parce que je profite du volet ici. Chez moi, j'ai zéro volet. Zéro, j'en ai pas. Là, je vais demander au fils de ma propriétaire de m'installer mon store de Velux que j'ai acheté moi-même. Mais il y en a. Enfin, il y en avait un de base, mais. Oh, toute la lumière, elle passait sur les côtés. C'était un bout de tissu. C'était vraiment de la daube et ça a pété 4 ans plus tard. Mais je n'ai pas de volet. De toute façon, vous verrez. Quand je ferai l'appartement tour, je pense que. Ouais, au mois de novembre. Ouais, novembre. Parce que là, octobre, j'ai plein de trucs de prévu. Moi, ouais, ce sera en novembre que vous aurez l'appartement tour. Ce sera mieux. Comme ça, j'aurai le temps de bien tout installer comme je veux. Bref. À tout à l'heure! Bon, bah, je suis chez moi. Je vous ai pas repris hier au final parce que j'ai été chez le médecin. Ça dure un petit peu de temps. Bon, j'ai des examens à faire. Avec ma phobie du médical, c'est très compliqué de faire les examens. Genre bilan sanguin, puis d'autres trucs, bref. Je vais pas m'attarder là-dessus. Alors, mon ventre, voilà, rien dit de spécial. Mais je pense, j'ai bien réfléchi et je pense que c'est une intoxication alimentaire. J'ai mangé un truc et c'est depuis ce jour-là quand même que c'est pas passé. Donc, depuis hier, ça va mieux. Donc, je suis contente. Mais ouais, je pense que c'était une intoxication alimentaire. Bref, du coup, bah voilà, tant mieux, j'ai plus mal au ventre, c'est déjà ça. Je suis chez moi, je sais pas si je vous l'ai dit. Bah, ça se voit de toute façon, enfin, c'est pas le même décor. Je vous ai posé sur le petit truc de Chine que j'ai reçu enfin, le petit truc pour tenir le téléphone. Je l'ai enfin reçu. Donc, je suis contente, je vais pouvoir regarder des vidéos et tout pour le poser, ça va être top. Eh bien, c'est un petit truc qui se plie et tout, donc vous pouvez l'emmener dans votre sac à main partout pour regarder vos vidéos, tout ça, pour filmer même. C'est pas mal. Et j'ai reçu une autre commande que j'avais faite, bon, il y a 4 articles, 4 ou 5, 4. Pareil de chez Shein. Mais ça, je vous le garde pour le haul. J'ai reçu aussi un catalogue Sephora, mais comme je suis pas chez moi, je n'ai pas mon courrier régulièrement et. Ça va être passé puisque c'est jusqu'au 2 octobre. Bon, après, de toute façon, je comptais pas faire d'achat. Si à la journée gold. En échantillon, j'ai eu ça. Alors, le parfum Prada, ouais, je suis contente, mais ça, je le mettrai dans le colis pour quelqu'un parce que c'est un truc de chez Clarins. My Clarins en un gel matifiant imperfection. Pour les trucs matifiants, j'en ai pas besoin. Donc, je vais pas le garder. Ça tremble. Donc, le programme du jour, c'est. Je vais faire ma chambre. Comme j'ai dit, je vais attaquer ma chambre. Puis voilà, bon, oui, derrière il y a une caisse avec des décos qu'il faut que je remonte, mais j'ai toujours pas remonté. Bref, bah, je vais pas commencer ma déco d'automne aujourd'hui, de toute façon c'est ridicule. Je suis pas chez moi, enfin je vais pas rester. Je rentre chez ma mère ce soir. Tant que j'ai pas mon lit, de toute façon c'est comme ça. Je pourrais pas démonter mon lit toute seule, de toute façon c'est impossible. Bon, petit café avant, hein, la base.
J'ai un peu la tête dans le cul, j'ai pas beaucoup dormi. Ah là là, le rangement, le rangement. Faut bien le faire. Hein. Oh, il y avait la fête foraine chez nous. Je sais plus quand elle a commencé. Hein. 2 semaines, un truc comme ça. C'est le dernier jour aujourd'hui. Je voulais absolument filmer parce qu'elle est... elle a changé de place. Avant, elle était en centre-ville. Bah, depuis toujours, j'ai toujours connu en centre-ville. Et j'aimais bien. Parce qu'à pied, ça me faisait pas loin de chez moi et tout. Et ils l'ont déplacé beaucoup plus loin de chez moi. Donc on va y aller ce soir faire un tour. Acheter des churros, je sais c'est pas bon, mais à chaque fois qu'il y a la fête, j'en achète. Donc c'est 2 fois par an. Elle vient en été, puis là. Mais du coup, ouais, j'ai envie d'en manger, quoi. Et c'est le dernier soir, donc je vais faire quelques plans là-haut. J'adore les fêtes foraines, j'adore ça. Je trouve ça trop beau, j'aime trop l'ambiance et... c'est super beau à filmer, surtout le soir, quoi. Parce que dans le vlog de cet été, je vous avais fait des plans de la fête foraine. Mais c'était en journée. Forcément, c'est moins beau. Il n'y a pas toutes les illuminations et tout. J'espère qu'elle ferme pas trop tard ce soir. Il me manque mon café americano. C'est le Longo, la Dolce Gusto, que je suis en train de boire. Je sais pas. Je préfère le... de toute façon, l'americano, c'est mon préféré. Mais je suis obligée de le commander. Sur le site, là, comment ça se... je sais plus le nom. Je pense que je me ferai une commande au mois de novembre sur ce site. Me refaire mon petit stock de café. J'ai vu qu'il y avait plein de nouvelles boissons. Il y a même des cafés Friends et tout. J'ai trop envie de tester. Donc ouais, je pense que je me referai une commande au mois de novembre. Parce que là, j'en ai un peu à finir. Donc je vais pas gâcher ce que j'ai. Voilà, bon bah je vous reprends quand je serai dans ma chambre. Je sais pas si je vais vous montrer ma chambre. C'est pas prévu que je vous fasse un vlog rangement, déco, machin, avant, après. J'aurais bien voulu quand même vous la montrer avant que le lit soit démonté, qu'il y ait le nouveau lit. Je sais pas, je vais voir, on verra comment j'avance. Je vous reprends que maintenant, j'ai pas eu le temps de vous prendre avant. J'ai fait du rangement et tout. Au final, je vous ai rien filmé de tout ça, bref. Je viens de regarder le teaser Halloween de Marion Caméléon. Incroyable. J'adore. Franchement, je suis fan. J'ai trop hâte que ça commence, le premier maquillage. Bah ouais, aujourd'hui, je vous ai abandonné. Désolée. Bon, je suis désolée, je vous ai absolument pas pris hier. Parce que j'ai fait une vidéo, d'ailleurs elle est déjà en ligne, sur mes favoris, enfin mes coups de cœur, films et séries du moment. J'ai passé la journée à faire la vidéo, le montage et tout, c'était trop long, truc de malade. Au début il y avait plus de 50 minutes de rush. Et vous avez dû voir qu'il n'y avait pas de fête foraine. Non, elle était déjà partie en fait, jusqu'au 28, mais ils sont partis le 28. Donc pas de fête foraine, c'est pas grave. Et là on est le 30 aujourd'hui, enfin vous l'avez vu, Hocus Pocus 2, ça y est, c'est sorti. Je suis trop contente. Je vais le regarder et bon, je vous dirai ce que j'en pense après. Enfin, ça y est. Bon bah je vous laisse, je vous reprends tout à l'heure, à la fin du film. Il regarde Hocus Pocus avec moi. Il s'est tourné exprès pour regarder. Oh mon bébé. On regarde Hocus Pocus en amoureux. Bah oui. Bon, je reprends beaucoup plus tard. J'ai regardé Hocus Pocus 2, il était trop bien, j'ai trop rigolé. Ouais, je suis une gamine, mais il m'a fait rire. Pour moi, il détrônera pas le 1. Chacun ses goûts, mais il est génial. Donc ça va, je suis contente. Je pensais qu'elle avait le 5e épisode de La Servante Écarlate. J'étais sûre d'avoir vu le 30. Eh ben non. Donc je sais pas s'il a été supprimé. Ou je sais pas. Franchement, j'étais persuadée, ce que je regarde sur Google sans arrêt, guide des épisodes, et il y a la date à chaque fois. Et j'étais sûre d'avoir vu un, le 28. Tu te calmes, Bill. Hey, qu'est-ce que tu fais? Bill, ça suffit. Tu es fou. Tu es fou. Oui, tu es fou. Oh là 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 là. Aïe, 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 tu me griffes. Non mais, oh t'es pas beau, hein. Ma perche à 7 filles est en train de me lâcher, alors c'est vraiment la perche à 7 filles bas de gamme à 2 € à l'époque à Action. Enfin bref, et je sens qu'elle est en train de me lâcher. Faut qu'elle me tienne jusqu'à la fin de l'année. J'en ai vraiment besoin pour les mois qui arrivent.
Je disais, j'étais sûre d'avoir vu un épisode le 30. Je suis dégoûtée. Peut-être annulé, peut-être. Eh, mais Bill, se croit trop chez lui. J'ai rien à vous filmer aujourd'hui. Bon, j'ai regardé des vidéos, j'ai traîné sur TikTok. Si vous entendez les bruits, c'est Bill, il fait sa toilette, j'adore. Rien fait d'intéressant. Et j'ai fait une grosse mat ce matin, j'ai dormi jusqu'à 10h30. Ça m'était pas arrivé depuis hyper longtemps. Purée. Ah, voilà. Ça va être un live. N'importe quoi. J'ai vraiment la tête dans le cul. Ça va vraiment être un vlog blabla pour l'instant. D'ailleurs, je pense que je vais commencer à le monter. Ce sera fait. J'aurai le temps. Parce que souvent, je le fais. Ouais, souvent. Je le fais au dernier moment. Non, je vais peut-être commencer à le monter. Peut-être supprimer des séquences où je parle de choses pas très intéressantes. Tout le temps collé sur moi, ce chien. Tu te gênes pas? Amour. Bon bah, je vous ai pas beaucoup pris au final cette semaine. J'ai pas filmé grand chose, il y avait rien d'intéressant. J'hésite même à mettre ce vlog sincèrement. Mais je vais quand même le mettre, je pense. Je suis désolée. Il y a beaucoup de blabla, mais c'était une semaine plutôt calme. Donc rien de fou. Et je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Donc je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.